Et ben heureux du coup. Normalement j'ai rien touché donc ça devrait bien marcher. J'espère. Bon, on va dire que oui. Oui, tout marche bien. Tout marche bien, tout marche bien. Ok, on va dire que tout marche bien. Bon, je vais répondre à quelques questions aussi. Peux-tu pick Zing? Mais ça je le ferai demain, là j'ai... Ok, ça tag en plus. Là je vais jouer, je sais pas, je vais voir ce que a besoin de la team, mais bon. Yo, bienvenue à toi déjà, tu comptes faire du beau jeu avec la jungle exotique. Mais de toute façon, enfin, même quand je joue au LCS Lille, tous mes persos ils sont un peu bizarres, quoi. Enfin, si vous venez ici pour voir du Lee Sin ou du Nasus ou du, je sais pas, Nunu, c'est pas pour moi quoi. Moi j'aime pas les jouer, je sais pas, donc. Du coup, non, je ne jouerai pas des persos comme ça. Par contre, des Fiddle, Elise, Yi avec TP, voilà. Plutôt ça quoi. Shyvana aussi. C'est quoi les qualités pour jungle? Il y en a tellement. Je vais essayer de choper ma jungle avant. Alors, Arcwell, il est quoi? Il est top, il me semble. Non, Arcwell, je sais plus. Un AD. Ouais, non, je devrais l'avoir. Les qualités du jungle, pour... enfin, il y en a tellement que. Mais c'est surtout à rester calme et voilà. Enfin, faut essayer d'arriver à voir la game à peu près 30 secondes avant, quoi. C'est pas. Enfin, faut pas être perdu, grosso modo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Là, par exemple, quand je jouais Fiddle, bah, je savais à peu près où est-ce que je vais aller, où est-ce que j'allais. Pourquoi je faisais ça, quand je faisais ça, etc. J'avais une vision du jeu, pas sur le court terme, mais sur, je sais pas, 40-50 secondes, quoi. Donc bon, déjà, il faut que vous ayez ça. Après, il y a toute la notion des timers, de votre bleu, rouge, Drake et tout. Et puis après, bah, savoir connaître le jeu, quoi. Bah, par exemple, enfin, vous savez qu'avec une Leona contre une Soraka, bah, c'est des free kills bot lane, donc faut camper la bot lane. Par contre, si vous essayez de ganker, je sais pas, une... Je sais pas, un Kassadin mid au level 6, le gars il va se barrer en 2 secondes, ça va être impossible quoi. Donc c'est un peu tout ça, c'est un mix de tout ça quoi. Narcus, on va, je pense, souvent te le demander, donc petit conseil, affiche, changer ça, ah non c'est bon j'avais fait. Affiche peut-être quelque part sur l'écran ton stuff, casque, clavier, souris, sinon good luck. Ouais, bah ça je le ferai, mais... Mais bon après moi, enfin... Pas dire que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais presque quoi. Donc bon. Mais ouais, je pense que je ferai ça. Je joue F jungle et j'ai un peu du mal autour des 20 minutes. Tu conseillerais quoi? Bah, F jungle, si t'as pas gagné en moins de 20 minutes, bon, c'est un peu plus dur quoi. Mais c'est vrai que. Enfin, je sais pas. Si... Normalement, avec F jungle, des persos comme ça, tu dois être à 10-0 au bout de 15 minutes. Enfin, peut-être pas autant, mais voilà, la game elle doit être pliée au bout de 20 minutes quoi. Après, si elle dépasse 20 minutes, bah c'est beaucoup plus dur quoi. Donc, je conseillerais quoi? Bah, de. Je sais pas, de. Enfin, non, ça dépend des games, ça dépend des situations, donc je peux même pas te répondre quoi. Tes main supports, je main les supports bah, qui existent pas, donc je joue qui? Je joue Thresh, Blitz. Après j'aime bien Fiddle support, c'est assez fort. Elise support, c'est assez fort aussi. Volibear support. Je sais pas, tous les trucs qui sont vraiment costauds, Leona, et qui peuvent carry en support. Donc bon, voilà. Tu penses quoi de Shyvana? Pourquoi n'est-elle plus jouée, plus viable? Bah en fait c'est la méta qui l'a un peu niqué Shyvana. Elle était forte avant parce qu'elle pouvait prendre un oracle et tout clean, tout counter jungle. Maintenant, depuis qu'il n'y a plus l'oracle, bah, c'est beaucoup plus dur pour elle. Et vu qu'elle a. Enfin, c'est pas une gankeuse, quoi. C'est dur de ganker avec elle. Bah voilà. Enfin, c'est pour ça qu'elle a pu jouer. C'est dur de gank, et vu qu'il n'y a plus d'oracle, bah. C'est dur de counter jungle. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Contre un Lee Sin, Nunu. Allez, je vais sortir. Je sors mes mains là ce soir. Elise. Petite Elise jungle. Donc j'expliquerai mes runes après, vite fait. Tu nous joueras une Shyvana, please, si c'est possible, bien sûr. Bah Shyvana c'est chaud quand même, parce que c'est vraiment plus à la mode, et genre là j'aurais sorti, je me serais fait violer, quoi. Donc bon. Je pense pas. Salut Narcus, non, Zerator et Fury ne sont pas mariés, ce sont juste des bons amis. Ah bon? Bah, je sais pas, moi j'avais compris que c'était... Ils étaient... Je sais pas, il l'appelait ma femme. Donc... Je sais pas, bref.
Si c'est pas sa femme, enfin, il l'appelle sa femme. Ok, bon, si c'est des amis, autant pour moi alors. Fury n'est pas sa femme. Ok. Et merde, j'ai pas changé mes runes. Voilà. J'étais en mode AFK, j'ai pas changé mes runes. Oh non, je sucks. Je suis trop con. Bon, après, j'ai les runes de Fiddle, donc ça, c'est AP, AP, mais bon. C'est un peu con, quoi. J'avoue, report me. Très belle interface. Était accueillant dans ta façon de parler. Peut-être seras-tu le premier streamer LOL que je vais supporter suivre. Non, mais enfin, c'est le début, hein. Moi, au bout d'un moment, même moi, je me supporte moi pas. Ok, j'arrive plus à parler. Même moi, je me supporte pas. Donc, il y a un moment où. Là, c'est parce que je fais des bonnes games. Donc, ça, dès que je fais du 0-6, bon, j'ai un peu moins le sourire, mais bon. Non, ça va. Quand je stream, ça va. Que conseilles-tu à ceux qui veulent commencer la jungle? Bah, prendre un perso facile à jouer et qui est fort. Et puis après, le jouer surtout. Enfin, surtout si vous voulez vraiment monter, il faut que vous focussiez sur 2-3 champions qui sont forts et tout, et que vous jouez que ça, et que vous connaissez absolument par cœur sur ça. Enfin, par exemple, moi quand j'ai commencé, je jouais que Fiddle, mais H24 toutes les games. Et c'est pour ça que maintenant je peux le sortir en diamant, en challenger, et c'est pour ça que je suis fort avec. Et tu regardes les top 3, top 5 en challenger, bah souvent ils ont un ou deux champions. Par exemple, Shook V2, le numéro 1 actuellement, bah il est super fort avec Lee Sin, quoi. Et ça, il y en a plein, enfin voilà, te focus sur 2-3 champions et qui sont forts, quoi. Donc du coup, pour les runes, bah j'ai les runes que j'avais avec Fiddle, donc ça sucks un peu. Par contre, j'ai baissé un peu la musique parce que ça gueule. Je sais pas pour vous, mais chez moi, ça gueule. Parfait. Qu'est-ce que t'appelles un champion fort? Bah, enfin voilà, tapez tier 1 champion jungle. Déjà, vous allez avoir une liste des jungles qui sont OP du moment. Donc déjà, évitez de prendre des tiers 2 ou tiers 3. Donc ce qu'on appelle tiers 2, tiers 3, c'est les persos. Enfin voilà. Plus vous êtes loin dans le classement et loin du tier 1, plus votre perso est dur à jouer ou dur à carry, quoi. Donc déjà, tapez sur Google tiers 1 jungle. Donc vous allez avoir une liste de 10 jungles. Et après, bah, c'est votre façon de jouer, c'est votre façon de tout. Bah, voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser encore pour cette game. Je vais arrêter de répondre à des questions. Peut me concentrer en détaillant. Donc là, j'ai commencé bot. Parce que, je sais pas, l'item jungle sur l'île, je le trouve pas ouf. Enfin, voilà. Et du coup, j'aime bien partir full AP. Ok, ils sont invade. Coup, ça sexe un peu ça. Ah, ok, notre Sora et AFK. Je sens que les games qui vont être ce soir vont être très intéressantes. Donc là, ce qui est bien avec Elise, c'est que bah voilà, les araignées elles tankent en fait. Là, vous voyez, c'est pas moi qui tank, c'est les petites araignées quoi. Donc du coup, c'est assez cool comme concept parce que. Bah, parce que je perds pas de vie, quoi. Donc là, Lee Sin, il a dû commencer à mon rouge. Je vais aller lui voler le sien. Normalement, bon, j'ai le temps et voilà. Je pense que j'ai le temps. Vu qu'il a commencé au mien, après, il a dû aller à son bleu. Et du coup, là, j'ai largement le temps. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui ça va être spécial trim avec des AFK noobs qui sont faits PL en gold. En diamant. En fait, ça va être un concept d'émission assez sympa. Non, parce que là je crois que j'ai pas trop de luck quoi. Donc voilà, donc là j'ai largement eu le temps de voler son rouge vu qu'il avait commencé au mien. Donc ça, toujours regarder où est-ce que le jungle ennemi commence. Si vous invade, bah n'hésitez pas à aller l'invade quoi. Parce que clairement, enfin là, le rouge,
dans les premiers levels, c'est ce qui fait les gueules, l'XP et tout. Et... Bon, il vaut le faux quoi. Ok, mon top se fait rape et ma botlane se fait rape. Et mon mid lag. Ok. Ouais, je pense que l'émission de ce soir, ça aurait été comment perdre quand t'essayes de carry des games. Mais bon. C'est pas grave, on y croit encore. Si lui il va se faire dive du coup. Donc là c'est toujours mes petites araignées qui tankent. Et quand elles sont mortes, bah, vous pouvez les réinvoquer en faisant des sorts. Donc bon. Au final, normalement je perds pas plus de vie que ça. C'est pour ça que commencer avec les 5 potions. Bon, on va tester de gank, même si je pense que. Allez, ma team suit. Bon, elle est morte déjà. One kill. Et mon top, il s'est fait dive et il se fait farmer entre la truc. Ok. C'est un test, en fait, on a payé. Ah, ok. J'ai compris. En fait, vous avez payé les gars dans mon équipe pour fail et pour avoir mon vrai niveau, quoi. J'ai compris. C'est une strat très forte. Non, mais là, c'est vrai que j'ai pas de chance, quoi. Après, bon, c'est le jeu, quoi. Il y a des games que vous gagnez, voilà, où vous faites carry, même moi, hein. Il m'arrive d'avoir des mauvaises games. Enfin, tout le monde, même. Donc, bon. Je vais essayer de gank, mais bon, c'est nunu. Avec un Tryndamere level 3, je perds du temps en fait. Je vais camper la botlane, c'est la seule où, avec le mid où je peux faire des trucs. Bon, là, le mid il overextend, enfin il push, donc bon. Alors que botlane, là, la Janna elle a plus de flash, la MF non plus, donc bon. Et notre Tryndamere qui va à Roam. Ok. Pourtant, enfin, il est. Anixis Arcwell, il est connu et c'est vrai que c'est un peu triste. Pas que je comptais sur lui pour faire, pour me sortir de là, mais presque. Stay. Stay. Là, il a eu un heal. Dès qu'elle va s'avancer un peu, je vais hop sauter avec mon E. Comme ça, je serai au cac et derrière, si je lui mets un cocon, normalement, elle est morte quoi. Le problème c'est que là il y a tellement de minions que bon, ça sucks un peu. Je vais attendre qu'il clean un peu. Et puis quand ça sera un peu clean, genre là. Ok. Bon bah du coup elle est morte. Ah j'ai raté. Non, j'ai pas raté mon cocon. L'autre il m'a exhaust. Ouais c'est bon, j'ai mes. Ok, nickel. Donc là c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez. Quand il y a une lane qui hard, enfin qui perd hard, enfin souvent les jungles ils ont tendance à bah, aller l'aider, aller le camper. Et, enfin là je sais que si je vais top, il va rien se passer quoi. Alors que vaut mieux commencer à se feed sur une lane où c'est free gank, par exemple la bot lane, clairement. Et une fois que vous êtes à 20-0 ou un truc comme ça, bah, vous allez aider le top quoi. Donc bon, là à mon niveau le gars il va pas live. C'est vrai qu'au niveau des golds, souvent le gars il rage quitte et il live. Donc bon, c'est un peu le danger aussi, mais. Mais ça vaut le coup quoi. Enfin, c'est la seule façon de sortir de là. Exactement, un cocon à mort. Donc, c'était notre devise chez les TCM. C'est un peu vrai. Enfin, quand tu joues les jungles, c'est un peu vrai, mais. Aïe. Non, j'ai pas besoin de ce bleu en fait. Non, mais El Trinda, si j'y vais, ça sert à rien quoi. C'est ça que les gens, ils ont pas compris quoi. Même en diamant, si je vais top. Par contre, il faut que tu viennes à Milistan moi. Mais il est sérieux à mourir même sous sa tour, quoi. Ouais, du coup, lui, il va me one-shot. Je vais peut-être pas y aller, en fait. Oula, oula, oula.
Ok, je vais me barrer de là. Comment bah, botlane elle peut perdre quoi? Ils sont à 4-0, enfin. C'est pas possible ce jeu quoi. Là normalement je compte sur ma botlane pour s'en sortir quoi. Et ce qu'ils font c'est que ils. Bah ils perdent quoi. Mais là je suis aidé nulle part quoi. Allez, je crois en toi. Même si je sens que tu vas mourir. Allez, ton cul. Oh non. Dommage. Monte le son de ta zik. Ok. Là, ça va avec gank top, gank mid. Ouais, j'aurais dû leave mon rouge. Go, go. Bon, mon Trinda qui est level 4, 19 CS. Ok. Allez, on garde le moral. Ceci n'est pas une vraie game. Je ne joue pas avec des challengers ou des diamants. Je pense qu'il va y avoir tout le monde bot. Ouais. Bon, toi, t'as fail. Peut-être pas déconner ni d'aller quand même. Je sais pas si c'est Ward là, ça a pas l'air d'être Ward. Ah, j'ai raté. Il est pas passé loin mon truc là. Par contre, si tu peux mettre des heals toi, je t'en serai éternellement reconnaissant. C'est vrai qu'une Soraka ça sert un peu à rien quoi. Ah mais bait, oh non, je vais mourir. Allez, heal-moi! Bon, bah, je crois que cette game va se finir comme elle a commencé, quoi. À la base et ouais, le sang-froid. Ah oui, Arkwell, donc notre top lane qui a 0,4 27 CS et Challenger. Il y a du niveau dans cette game. Donc ouais, là il y avait que moi et la Lissandra qui était à peu près.
Mais y a jamais un moment où dans la game il se dit tiens, je vais un peu donner du répit, je vais arrêter de mourir quoi. Parce que bon là, pas qu'il meurt un peu toutes les 5 secondes, mais il y a déjà 16 kills, on est à 13 minutes quoi. Enfin je sais pas, c'est... Y a un moment faut arrêter quoi. Faire les dégâts que je lui mets lui. Ouais, c'est pas assez quoi. 17 minutes en 14. Enfin, bon ratio. Ah oui, si je fais. Ouais. Bon, ça va. Heureusement qu'il y a une musique calme là, parce que. Merde. Je tempo un peu. Oh non, j'aurais pas dû revenir en fait. Lui, il est fit quoi. Lui, il m'a tout shot. Allez, tu peux le tuer là? Pourquoi? Comeback 8-19 à 14 minutes. C'était quoi la musique d'avant? Midnight City par M83. Ouais, je suis mort. Bon, là la game elle est finie donc bon. Ah, j'ai pas eu le kill. Essaye d'écouter du Knife Party, je sais même pas ce que c'est. Bon bah voilà, si vous voulez carry aussi, vous prenez Nunu contre Tryndamere et je pense que vous avez gagné la game. Enfin, ça marche en diamant 1, donc je pense que ça marche à tous les niveaux quoi. En 16 minutes. Le pire c'est qu'il a même pas troll, c'est juste il a pris un champion de merde en first pick et il s'est fait counter pick, voilà. Bon. Enfin je sais pas, c'est un peu con. L'autre il va bait. Non. Ah bah si, ça c'était obvious quoi. Le pire c'est qu'en face ils sont même pas bons, c'est que bah nous on est encore moins bons quoi. Enfin je sais pas si vous voyez mais genre normalement la game on doit être là. Mes mates ils sont là, non. L'équipe en face elle est là et ma team elle est là quoi. Du coup c'est impossible quoi. Du coup c'est nul quoi. Je trouve pas du tout qu'il a la même voix. Bon, du coup, si vous avez des questions, là, je crois que je vais y répondre. Sert à rien de jouer ça. Comment je peux m'en sortir là? Je vais essayer de l'emmener par là. Et je cocon de l'autre côté. Mais bon, ouais, je pense que ça marche pas bien contre lui. Surtout que s'il me met un truc, je suis mort. Allez! Non, j'ai pas envie de mourir. Leave me alone. Oh, c'est Lee Sin qui m'a fini. Ok. Bon, parce que là, on va FF dans 2 minutes, donc je pense que je peux répondre à des questions. Je dois FK un peu, parce que...
Alors, qu'est-ce que vous dites sur l'IRC? Genre, tu regardes les picks avant de prendre Fiddle. Bah, vaut mieux quoi. Parce que bon, si vous prenez un Lee Sin, Janna. Enfin voilà, typiquement là, la compo qu'il y a. Lee Sin, Janna, c'est un peu de counter à Fiddle. Donc, si vous prenez des picks sans trop regarder, vous allez vous faire violer quoi. Je suis au moins. Je suis loin. Tu regardes, les gars ils sont à 24-10, ils arrivent à perdre comme ça. Juste on aurait eu un top décent, on aurait gagné bah, free win quoi, mais non. Le dieu de LoL en a voulu autrement. Et là le pire c'est comme on a fait un comeback, les gars ils vont pas vouloir surrender quoi. Ils vont pas vouloir surrender, ouais. T'en fais quoi de ta baguette explosive? Je finis mon liandré en fait. Le truc c'est que là j'ai clairement un build pour la solo queue. Enfin je tank pas mais je deal énormément de dégâts. Rien qu'avec ces deux items je deal énormément. Et surtout ça me fait un shield et mana infini quoi, donc c'est assez cool. Et comme vous la montez en araignée que ça coûte pas de trucs de mana, bah vous la montez assez vite en fait. Donc voilà. Non, non, pas Liandry, le Archange. Archangel. Ah, dommage. Du coup, notre ami Tryndamere, il est à 0,7, il va finir à 0,8. La Soraka qui heal alors qu'il y a un debuff de heal. C'est. Je pense que les joueurs là ont tout compris au jeu. Oh là là, les dégâts quoi. Sérieusement? Bon, 20 minutes, ça va être le dernier team fight. Ah. Si je me prends sa lance. Ah, faut jouer avec la Nidalee parce que depuis tout à l'heure elle essaye de one shot. Hein. Aïe 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 aïe. Toi t'es mort. Aussi, t'es mort en fait. Bon, les dégâts. Bon, bah, une game encore. Bon, voilà. Top 0,20, bon c'est un peu dur. Donc du coup bah encore une deuxième défaite. Enfin là ça fait deux games que je joue, que je mérite pas de perdre, mais que. Et c'est à coup de moins 6 aussi. Diamant, j'ai oublié de vous expliquer le concept. C'est que en gros vous gagnez plus 1 et vous perdez moins 6. Là sur les deux games, bah, j'ai perdu moins 12 quoi. Donc c'est un peu plus dur. Est-ce que tu connais Skyheart en diamant 1? Oui, je le connais, bah. Quand notre top chez les TCM il s'est fait ban. Bah, on avait cherché un nouveau top et on avait proposé à Skyheart qui avait joué toute une soirée avec nous. Donc bon, déçu, non, ça, au final je m'en fous parce que. Enfin bon. Là au-dessus il n'y a que Challenger et même pour monter à Challenger c'est impossible. Donc du coup. Je remets ça bien. Bon, je remets une page de pub, après je réponds à vos questions et je ferai une dernière game je pense. Et puis voilà. Donc à tout de suite. À tout de suite.